Et là, ça me flotte tout le monde déjà. C'est comme ça, Madagascar. Bon, bah, tant que maman a fait le paléage, je suis bien à temps. Attends, je vais Raha izany no filoham-pirenena dia ny ataoko voalohany na de tsy ho vitako ary a dia ny amerenina indray ny izay fahendrena malagasy zay. Ah, de ny mpangalatra zany dahalio ny fongorona voalohany. Dia avy eo jerena sahala amin'irony projet mampamaty vola reo a, dia tenatena tao tongagna amin'ny tasaha homena azy fa tsy ho samy mpitady abrao aby ny mandany azy, fa dia aleo dia tena jerena, dia tena hatago fotiny e. Ty hataoko e, naho ny zaho ny filoham-pirenenao, ty hataoko zany toko ohatsinjovigny mialoha vahoaky, satria tsy filoha avao filoha ao fa to vahoaky io mahafiloha azy io. Mba hahalany azy tsy misy olombelogno tsy hihinagna mety asa. Raha za zao présidente de mitsiry an'le olonena ambany tanàna reny ny tena ataoko, de manadio an'ny faritra eny a, de mampianatra ny zaza tsy mianatra eny satria marobe izy ireo, de mitsiry an'le zaza mianatra any amin'ny EPP reny koa satria maro amin'izy ireny te hianatra nefa tsy ampy sakafo ohatra na tsy ampy akandro. De raha za manokana aloha zany raha zany filoham-pirenena de fijerevana akaiky aloha zany a sy famerenana akaiky le soatoavana malagasy aloha zany voalohany indrindra laharam-pamena tokony atao, de faharoa le fampiroboroboana n'le resaka secteur tourisme amin'ny resaka tourisme, satria maro toeram-pizahantany betsaka aketo Madagasikara nefa tsy vo exploité. La crise qu'a connue Madagascar ces dernières années a commencé en fin d'année 2008 et a conduit à la chute du régime Marc Ravalomanana et à la prise de pouvoir par Ndjadjouille. Un mouvement populaire qualifié de Révolution Orange prend peu à peu forme à Antananarivo. Celui-ci est dirigé par le maire de la capitale, Ndjadjouille. Des séries de manifestations ont lieu sur la place de la démocratie, suivies de descentes sur la place du 13 mai. Les manifestations se muent en émeutes, pillages et destruction de biens publics et privés le 26 janvier 2009 dans la capitale, désormais appelée Lundi Noir. Le même jour, des scènes identiques ont lieu dans d'autres régions. Le 7 février 2009, des manifestants tentent d'entrer au palais d'Ambutsuruj. Cette journée se solde par la mort d'une trentaine de personnes et environ une centaine de blessés. Le 16 mars 2009, Ambutsuruj est pris d'assaut par des éléments des forces armées, CAPSAT. Le 17 mars 2009, remise des pleins pouvoirs à un directoire militaire par le président Marc Ravalomanana. Le 18 mars 2009, le pouvoir est transmis à Ndjadjouille. Le 21 mars 2009, la Haute Cour constitutionnelle procède à l'installation d'Ndjadjouille en tant que président de la Haute Autorité de la Transition. Ce dernier promet des élections dans un délai de 24 mois maximum. Des efforts de médiation tant nationale qu'internationale ont lieu à partir du début de l'année 2009. La médiation africaine sous l'égide de la SADC ainsi que la mise en place du groupe international de contact conduiront à la signature de la feuille de route le 16 septembre 2011. Cette feuille de route prévoit entre autres la mise en place d'un organe indépendant qui organise les élections durant la transition, la Commission électorale nationale indépendante pour la transition ou CENIT. C'est une première dans l'histoire électorale malgache. Donc nous, à la CENIT, on prépare les élections techniquement. On s'occupe de la technique. Ce n'est pas à nous de sortir les lois. Comme dirais-je, dans cette feuille de route, donc c'est bien stipulé que
la CENIT avec les Nations Unies prépare l'aspect technique des élections et la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale s'occupent de l'aspect politique. And we are helping the country in the implementation of the roadmap and the existence of CENIT, of the Electoral Commission, is precisely an example of the implementation of the roadmap. Because it's an institution, a new institution in the country created by the roadmap. Après 5 ans de transition, le processus est finalement lancé. La communauté internationale a appuyé Madagascar dans l'organisation des élections, notamment à travers le projet en appui au cycle électoral à Madagascar, ou PACEM. Communauté internationale et Union européenne, c'est d'avoir des élections aussi transparentes, aussi justes et acceptables à tous les acteurs le plus tôt possible. Des élections qui doivent quand même se tenir dans un climat d'apaisement. Et on veut faire tout ce que nous pouvons pour donner cette crédibilité. Je pense que les citoyens malgaches attendent de voter. Si on voit à peu près les différents échos qu'on a eus dans les différentes régions du pays, que depuis 2009, il n'y a pas d'élu. Le président de la transition s'est imposé de lui-même. Et donc, il s'agissait de permettre aux citoyens malgaches de choisir le président qu'ils voulaient. On peut dire qu'il y a eu quelque part cet engouement parce qu'il s'agissait peut-être du seul moyen, la seule voie pour permettre de changer des personnes au pouvoir. Parce que les manifestations qui a pu avoir lieu, donc les Malgaches ont été un peu déçus, 2009 est l'exemple parfait. Et au cours des 5 ans de transition, aucune manifestation sur la voie publique n'a été autorisée. Ny fandehanana amin'ny fidy dia tsapatsika fa lasa nataon'ny olona ohatra ny hoe adidy tsy maintsy atao izay le izy. Nisy fotoana izahay tamin'ny teny amin'ny université ny tamin'ny 1996 tamin'ny 1986 dia tena lanonana nandeha ny fidy. Tamin'izany tadidintsika tsara tamin'ny fotoana mbola nitondra ny didieratsiraka tamin'izany dia nisy manandafy ny lotsaka tamin'izany, nisy fety le nandeha ny fidy tamin'izany. Tena mazoty fidy. Raha misy fidiana amin'ity tsy afaka mifidy zao raha tsy olo azoko tokisany hoe milatsaka eo. Ha, iaho olombelona manankaraha sy fidianana ka akory sy fidianako. Vony hoe taony aho hoe maty aho vao sy mifidy. Aha, mifidiko ho azan'ny olona rehetrarehetra fa angeba atao hoe vato raika tsy mahalany any andra velona ka iaho fanitokana tokana zay fa milatsaka ihany na ho agny na tsy ho agny. Marina zany franchement tena tsy dia tena miinteresse anahy loatra izy satria hitako hoe ohatrany hoe amiko a tena fa amiko zany tsy arakaraky le olona le politicien zany tena hitako hoe tsy dia tena matoka le politicien gasy e zay ny tena marina. Ha, ino tsy olom-bahoaka vo ahonao tsy olom-panjakana agna raha anao tsy fidy zaho mifidy.
Il y a 49 candidates à l'élection présidentielle. 41 candidatures ont été déclarées recevables selon la décision numéro 01-CES-D du 3 mai 2013, parmi lesquelles figurent les noms de Angnirina Radzwil, Lalau Arvel Ravalmanan, né Rakuton Rein, Didier Ignace Ratsirak. Cette décision de la CES a entraîné un blocage du processus électoral. Une nouvelle fois, la médiation internationale a permis un déblocage de la situation. De décision arrêtée par le groupe international de contact le 26 juin 2013 à Addis Abeba. Le groupe de contact a accompagné les Malgaches pendant ces 4 dernières années. Nous sommes arrivés à un moment où le groupe de contact, face à l'impasse du processus électoral, a pris des dispositions en vue de remettre le train sur les rails. L'intérêt de la communauté internationale n'est pas de punir Madagascar, encore moins d'ajouter aux épreuves, aux difficultés de la vie des citoyens de ce pays dont le peuple est le plus pauvre au monde aujourd'hui selon les études de la Banque mondiale, mais au contraire de l'aider à partir du bon pied et à aller résolument à la rencontre des exigences d'un rétablissement de l'ordre constitutionnel dans des conditions incontestables de transparence, de régularité et de démocratie. Cela passait notamment par le changement de membres de la CES. On est là pour, on est des juges électoraux, donc on a laissé en dehors toutes les considérations politiques, donc on a fait une application stricte des textes concernant les trois candidatures contestées. Il y a d'abord cette question de forclusion, une candidature déposée en dehors du délai légal. Ça, tout le monde était d'accord. Et concernant les conditions de résidence, il y a au moins 4 ou 6 candidats qui ont été frappés par cette considération. Le 21 août 2013, la CES émet la décision numéro 11-CES-D du 21 août 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du premier président de la 4e République. Il y a désormais 33 candidats. C'est la première fois dans l'histoire politique de Madagascar qu'il y a autant de candidats. La CES se déclare compétente pour l'examen des demandes en révision de la décision numéro 1-CES-D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l'élection du premier président de la 4e République. Article 4 annule les candidatures de Sieur Radjuel Andenirim, de Dame Ravalmanana Lalon, Nira Koutenren, de Sieur Ratsirak Didier Ignace pour anomalie de la décision dans l'application de la loi. Le tirage au sort de l'ordre de présentation des candidats. Un tirage au sort a été organisé en présence des candidats au siège de la CENIT afin de déterminer le numéro et l'ordre des candidats sur le bulletin unique. Numéro 5, Bazlochi au domicile et tout. Tiens, avec nos amis, ça vous. 4! Tout le monde est là.
fitondrana aloha dia mba maty fa mibady ao tsy riandra ny ao anahy aloha dia tsy reny andro ratsoina ireny mibady matitra za koa raha miteny eritreritra hoe raha valomanaka hitandreny nataony raha valomanaka mameny posy ny resaka vola ihany raha valo gnanandro sy mifidy olo fa zay mahavoky ny zalako bezako ny zalako mahavoky ny tropoko da teko aby satria misy gn'asa ignany sy aiko fa raharaha politika zao an'izao sy miditra amin'izay satria aho mpiasangady ny o sy aiko o araky ny eritreritro ny toetra tokony hananan'ny filoham-pirenena dia olona voalohany indrindra aloha manana fahazotoana sy finiavana ary olona matahotra an'andriamanitra olona vonina ny anolotra ny tena ny anasoa ny tanindrazana sy ny vahoaka piray tanindrazana aminy de voalohany indrindra aloha zavatra ataoko a de ampiaina ny chômeur eto Madagasikara fa ohatra ny amin'ny entreprise ngedabe reny ohatra de lasa ohatrany hoe lasa entreprise familiale le izy de lasa mahay zany a lasa tsy mahazo toerana foana tena tsy za zany tena tsy mia zany tiako hoe olona mba olona fa boky zany tokony tondra eo e de raha izay fa manarakaraka an'izany olona mba hoe mba mitsidro an'le firenena aloha voalohany le firenena afaka mifandraharahany vahoaka aloha ny tena izy afaka mifampiresaka tsara amin'ny mazinika olona manana toe-panahy montina zany ary tsara hitarika ny vahoaka malagasy ary hita hoe tsy be hoe hipetraposiny eo amin'ny place misy azy fa mba haizakany hoe hijery ny vahoaka madinika zaho araky ny hevitro aloha de olo tokony hanazany zony olombelona de tokony hamahany krizy eto Madagasikara fa tsy fitiavatena akory le izy na hoe fitiavana tseza fa tokony hampandrosiny vahoaka malagasy nao fa nifantako ge ty filoha ao de iano ty hilatsaky iano ty hilatsaky zaho le avyle nivolagna ty marigny de iano ho raho tyty fifidianiko fa mba hafantatsy tany aia ty moto ao loha le de mirary ty olo mba ho hendry mba tsy hanaky zy ho taloha zay nandritranre tsy ataoko fa telopolo taoa misizony malagasy Moi, comme je vous dis, moi, je crois beaucoup à la proximité. C'est pour ça que, on a écrit dans notre programme, on a écrit nos priorités. Et la priorité de ce pays, c'est d'abord l'organisation. À chaque fois, je suis enseignant. Donc, mon métier, c'est de former des jeunes. Et ce qu'on peut donner aux jeunes, c'est vraiment un savoir-faire, des idées, une orientation, un environnement pour qu'il soit créatif. Je crois d'abord que ce qui me différencie des autres candidats, c'est que de par même le nom de mon parti politique, ces femmes qui font de la politique, je priorise l'égalité de genre et la parité. C'est pas le premier, hein, c'est pas vraiment le premier, mais je voudrais en parler en premier pour expliquer que voilà, c'est la différence avec les autres candidats. Certes, ils sont un peu obligés de suivre aussi, de respecter la parité, parce que c'est d'impulsion mondiale maintenant, la parité. J'ai pas de recette miracle pour Madagascar. J'ai la conviction et la volonté de vouloir travailler pour Madagascar et avec l'ensemble des Malgaches. Mais des recettes miracles, il n'y en a pas. Le président de la République, il n'est pas là pour uniquement construire des routes, faire des hôpitaux, faire des infrastructures publiques. Non. Le président de la République, il faut qu'il soit là pour stabiliser l'économie, pour donner de la visibilité, pour stimuler l'initiative des entreprises, afin que les entreprises puissent créer de l'emploi, afin que les entreprises puissent s'épanouir dans un environnement sain. Nous sommes pour un développement. Nous sommes pour un développement intelligent, avec une réflexion très approfondie sur le rapport de l'homme avec la nature, mais surtout de rapport de l'homme malgache avec toutes les composantes de la société, y compris donc les étrangers. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons avoir le courage
hein, de comprendre, de rechercher et puis de mettre en application, compte tenu qu'en 53 ans d'indépendance, nous sommes toujours sous perfusion de la communauté internationale, alors que nous avons énormément de richesses. Mais c'est vraiment aussi remettre au malgache la réappropriation de leur destin. Une élection est également un des grands challenges techniques et logistiques pour un pays. Elle ne peut être tenue qu'avec une planification minutieuse et une bonne préparation de l'ensemble des étapes tout en respectant les cadres juridiques, les délais légaux, la ligne budgétaire. Le plus grand défi est l'acceptation du processus électoral par toutes les parties prenantes afin de rendre les élections crédibles et transparentes. Pour garantir le bon déroulement du processus électoral, la formation de l'organe de gestion des élections ainsi que ses démembrements et son personnel technique d'appui est primordial. Toutes les élections présidentielles, législatives et municipales. Donc, ça c'est prévu par la procédure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la paragraphe 10.g et aussi cette loi 2012-04. Okay. Et d'ailleurs, ce que on remercie beaucoup aussi, quand même, les signataires de la feuille de route, parce que c'est grâce à cette feuille de route qu'ils ont mis en place cette révision systématique de la liste électorale. C'est donc, en quelque sorte, parce que le code électoral nous donne deux révisions tout simplement. La révision annuelle de la liste électorale qui est tous les ans et la réforme de la liste électorale tous les 10 ans. Par contre, la feuille de route nous a donné l'occasion de faire cette révision systématique de la liste électorale et c'est pour cela qu'on a fait une révision systématique de la liste électorale. En quelque sorte, c'est entre la révision annuelle et la réforme. Maintenant, on a mis en place tous les mots, on est en train de faire préparer tous les techniques, les démembrements aussi de la CENIT, surtout auprès de toutes les régions, de tous les districts, de toutes les communes. Et aujourd'hui, si vous me posez la question en disant la situation de Madagascar, je pense que Madagascar a besoin aujourd'hui, et le peuple malgache a besoin aujourd'hui d'aller vers ces élections. Ces élections pour sortir parce que 4 ans quand même, ça, c'est beaucoup. Il est important de sécuriser le processus électoral. Les forces de l'ordre et de sécurité tiennent un rôle majeur afin de maintenir l'ordre dans le respect des droits de l'homme, la préservation des libertés individuelles et collectives, la protection des biens publics et privés dans un contexte électoral pour que les citoyens puissent jouir pleinement de leurs droits civils et politiques. Moi, je peux vous dire que la sécurité, l'ordre, la sécurité, tout est le centre de la gravité. Sans un ordre de sécurité publique, les élections n'auraient jamais pu se tenir. Moi, je peux vous affirmer ça. Si nous n'avons pas pris notre responsabilité, il n'y avait pas des élections. La sensibilisation électorale s'avère indispensable, étant donné que c'est la première fois que Madagascar utilise le bulletin unique pour une élection présidentielle. De plus, le choix des électeurs devrait être éclairé par le biais d'une éducation électorale, vu qu'une élection libre et juste ne se limite pas au dépôt des bulletins dans l'urne. Par ailleurs, tous les électeurs ont le droit d'être informés et éduqués sur l'importance du vote. Ainsi, des campagnes de sensibilisation ont été lancées par la CENI à travers le PASEM. Des séances de simulation de vote ont été effectuées pour que les électeurs s'exercent à l'utilisation du bulletin unique. À part le PASEM, l'Union européenne a aussi financé le projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections, ou PACTE, à Madagascar. Le projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections à Madagascar
mieux connu comme le projet PACTE, est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par un consortium d'organisations internationales et nationales pour accompagner la société civile malgache dans son travail d'observation électorale, de sensibilisation et éducation électorale, mais aussi dans le suivi du contenu des médias. Donc, dans ce cadre, une unité de monitoring des médias a été mise en place. Le projet a donné beaucoup d'importance en fait au volet sensibilisation électorale, surtout pour accompagnement aussi de la CENIT, hein, donc de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, justement parce que c'était la première fois qu'un bulletin unique a été utilisé. Donc le projet a voulu déployer des animateurs dans tous les districts de Madagascar, après les avoir formés dans comment utiliser justement ce bulletin. Et le projet a aussi organisé des débats pour sensibiliser les électeurs de l'importance de ces élections, justement des élections qu'on appelle les élections de sortie de crise. PACTE a déployé 283 animateurs issus des organisations de la société civile malgache pour effectuer des séances de sensibilisation à proximité dans toutes les régions de Madagascar. Ça va dépendre, Fifitiana. Arovo fatinao, arovo safitinao, no izany a, efa ao amin'ny trano, ao amin'ny izoloantsika amin'ny trano fisainana kely iny safidy hoe izy amin'ireo telo amby telopolo a, no safidina dia mieritreritra tsara, dia apetaka tsara dia mba atao anivo, afony tsara ilay izy. Mifantoka amintsika ampitanana ny masiny izao tontolo izao. Nous nous félicitons. Fantastique, nous avons tendu nos filets à Afrique. Nous avons tendu nos filets à Afrique. En effet, 1193 animations ont été effectuées à travers des visites à domicile, des focus group, des projections du film Une élection africaine, des stands fixes et mobiles. L'existence des observateurs nationaux qui surveillent les élections est un élément essentiel du développement de la démocratie. Le contrôle des opérations par des organisations de la société civile malgache organisées, agissant en tant qu'observateurs indépendants, est un instrument essentiel de promotion de l'intégrité électorale. La surveillance du déroulement d'une élection par les représentants des partis et les candidats favorise la transparence et facilite le repérage des erreurs, des omissions et des inégalités dans la mise en place des mécanismes électoraux. L'objectif, c'est de former d'abord les formateurs au niveau régional par rapport aux procédures de vote, par rapport au cadre légal de l'observation. Et puis, par rapport aussi aux étapes à suivre et à observer durant le jour J de l'élection. Plusieurs observateurs nationaux ont été accrédités, entre autres les membres des plateformes Mainz-Vdir et Socle, qui ont été mis en place grâce au soutien de PACTE et à l'appui financier de l'Union européenne. Ce sont les deux principales plateformes d'observation électorale nouvellement créées. Raresaka fokapifitianana, tsy afaka manao izay, en tant qu'observateur. Mamoaka ny vokatra hitanay fotsiny izay fa tsy afaka manao saisine izay na ao nivoan'ny CES na ao nivoan'ny CENIT. Fa raha resaka kosa hoe tsy fanarahan-dalàna ary ohatra hoe le décret 2013-593 navoaka tamin'ny conseil des ministres iny izao le momba ny ministre en campagne na sy ny chef d'autorité, ireny izay afaka mandefa demande d'annulation any amin'ny CES. Fa ny ankoatran'izay izay observateur tsotra fotsiny. La plateforme Mainz Vdir va mobiliser 1550 observateurs. Et ces 1550 est subdivise en deux types d'observateurs. Il y a ce qu'on appelle observateurs fixes. Observateurs fixes, il y aura 1310. Et le reste, donc, c'est-à-dire 240 observateurs ambulants. Bon, le plateforme, plutôt le consortium SOCLE qui a réalisé donc le financement de l'Union européenne à de structures suivantes. Il y a donc la conception au sommet qui constitue le comité de pilotage effectivement. Alors la particularité, c'est l'utilisation des nouvelles technologies d'information, surtout les SMS.
C'est une première. On utilise aussi en même temps les méthodes classiques, hein. La remontée des fiches d'observation via le taxi Bruce, via les postes aussi, et en même temps les remontées des informations avec les SMS. Mais la présence d'observateurs internationaux est indispensable, surtout pour les pays connaissant une transition difficile et longue, comme le cas de Madagascar. On peut non seulement contribuer à inspirer la confiance aux électeurs et à évaluer la légitimité d'un processus électoral, mais elle offre également une occasion d'apprentissage pour les administrateurs électoraux nationaux et les participants aux élections, tout en favorisant les échanges de connaissances et d'informations sur les pratiques électorales. Cela donne parfois naissance à des relations de coopération durable. Dans l'histoire de Madagascar, c'est la première fois qu'on déploie plus de 1000 observateurs internationaux et plus de 10 000 observateurs nationaux. Une élection dite démocratique ne peut se tenir sans la présence de médias libres et indépendants. En effet, pour que des élections soient libres et équitables, il faut non seulement que le vote puisse se dérouler dans de bonnes conditions, mais aussi que les électeurs aient accès à une information adéquate sur les partis, les politiques et le processus électoral afin de pouvoir faire un choix éclairé. Les médias jouent un rôle de surveillance et garantissent la transparence du processus. Asa fanaova gazety dia ataoko hoe efa asany amin'ny fotoana andavanandro saingy no ezahana kokoa tao anatin'ny fotoana fifidianana hoe mba hisiny fahalalahana ho an'ny eo amin'ilay toerana fanaova gazety mihitsy aloha amin'ny fahafahany rehetra maneho hevitra mety hiverenana ihany koa izay rehefa avy eo fa indrindra ny ataoko hoe fahalalahana ho an'ny olona tonga ao amin'ny gazety indray zany a na amina hainao manjery maneho hevitra. Des séries de formation ont été organisées par la CENIT. Le projet PACTE, en collaboration avec RFI et CIT, a également organisé des sessions de formation pour 27 stations radio locales dans le but de renforcer les capacités des journalistes et animateurs en matière de production de magazines et d'émissions interactives dans le domaine électoral. 98 émissions sur les élections, avant, pendant et après, ont été produites dans le cadre de ce projet. La CENIT a élaboré une réglementation visant à garantir un accès gratuit et payant aux médias publics pour les candidats. Le monitoring appliqué aux médias est une technique d'observation permettant d'analyser d'une manière systématique, objective et impartiale la couverture médiatique relative à la campagne électorale et au processus électoral. Dans cette optique, le projet PACTE a pris l'initiative de mettre en place l'unité de monitoring des médias pour observer le respect de la déontologie professionnelle dans la couverture du processus électoral et le principe d'égalité des opportunités des candidats en termes de couverture médiatique. Le début de la matinée du 25 octobre 2013 paraît calme. Les membres du bureau de vote s'activent devant une longue journée qui les attend. Au bureau de vote, ils se préparent pour la mise en place de l'ensemble des matériels de vote. À l'extérieur, les citoyens commencent à arriver. Avant l'ouverture du bureau de vote, de longues queues se mettent peu à peu en place. Une fois les préparatifs terminés et l'ouverture du bureau signalée, les électeurs entrent un à un pour exercer leur droit de vote. Ça c'est même un matinée, c'est même nous d'après bien, mais il fallait faire ça autant de ici. Pour mettre un nul là, c'est même un matin, c'est même nous d'après. En couloir, c'est un bol de miel, il faut passer un avant tout quand. C'est qui hein? Mes filles sont sorties comme la casse, moi c'est même un matin, c'est même nous d'après. Oui.
La clôture du bureau de vote se termine légalement à 17h, mais dans la plupart des bureaux de vote, la fermeture a été faite quand les électeurs se trouvant encore dans les files d'attente à 7h ont exercé leur droit de vote. Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fait devant les électeurs dans une ambiance bien souvent festive. Le traitement des résultats commence au bureau de vote pour être ensuite déposé à la section de recensement des matériels de vote ou SRMV. Après réception et compilation des PV, ils sont acheminés au siège national de la CENIT. La transparence est de mise, d'autant plus que les résultats sont retransmis en direct à la télévision. Autre succès, c'est surtout le traitement des résultats. Le traitement des résultats qui a été réalisé dans les délais légaux. Ça aussi, c'est vraiment un succès que je peux bien l'admettre aujourd'hui, grâce à une bonne organisation et au soutien logistique des partenaires techniques et financiers. Je pense que à Madagascar, c'était un record d'avoir les résultats vraiment moins de 10 jours dans tout Madagascar. Et je pense qu'il fallait remercier tout le monde, tous les partenaires qui nous ont aidés sur ça. Alors, madame la présidente, mais on va recevoir le petit excusez-moi. Monsieur le Premier ministre, il faut que tu aies les PV pour imprimer la lettre. Et on tout le temps, on a la PV. Je vais te dire à la Valou, ni représentant candidat, mais Mitchat. Dia, à tour de rôle, les 8 représentants des candidats, et puis quelques places pour les observateurs et pour les journalistes. Alalefa, amin'ny fitsarana manongana misanany fifidianana, amin'ny lehibe ny antso fanjakana tetezamita, ary ampafantarina ny besinimaro, amin'ny alalan'ny petadinjy,
Arrêt numéro 01 CES-AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre 2013. Les deux candidats qui vont s'affronter au deuxième tour de l'élection présidentielle de sortie de crise sont Jean-Louis Robinson et Erja Zonarmapian. Ils sont soutenus par l'ancien président exilé Mark Ravalmanen et le président de la transition Anja Dwelyn. Dia mamerina ny araba tonkolasy tonkovavy ianao izay eo anoloan'ny vatafahitalavitra ny tokantrano iny tena iantefany izao fandaharana mivantana izao ary araka ny fanambara tao anatin'ny vaovaoantsara ny televiziona malagasy dia raikitra izany miady hevitra eto eo amin'ny kandida rotonta izany. Après les débats présidentiels en 1996, l'organisation de trois débats présidentiels avant le second tour de l'élection présidentielle constitue l'une des particularités de cette élection. Trois principaux thèmes furent abordés. Lors du débat du 4 décembre, le thème fut économie, social et sécurité. Pour celui du 11 décembre, diplomatie et relations internationales. Et enfin, le 18 décembre, les deux candidats devaient parler des enjeux politiques, des réformes institutionnelles et propositions en vue d'ancrer définitivement Madagascar dans un environnement pluraliste et démocratique. Les débats sont diffusés en direct à la télévision et la radio nationale afin que l'ensemble des citoyens puissent vivre les points de vue et les propositions des deux candidats. Lors des campagnes électorales, les deux candidats partagent leurs projets de société entre distribution de cadeaux et de concerts. Mijery antsika izao tontolo izao, manara-maso antsika ny firenena eran-tany, ry vahoaka malagasy, manam-pahendrena, aza manaiky ho revim-pena, tongava mifidy ary fidio. Docteur Robinson Jean-Louis, mametry anareo aho ary matoky anareo. Fa nangana firenena vanina isika tamin'ny tangalana manana dia lalam-pahantenana ary histoire dia mamalagasy. Mitantro filaminana amintsika fitaovana, tômôbila, telefôna ary fandraisana ny olona angena draika hitsaky ny kartie zany izy bizy ohatra ny taloha iarovana ny vahoaka tenivohitra. Vahoaka ambanivohitra ampitombona ny tompo miaramila mandritra ny erako ny faritra hoamena fitaovana tsara reo tandriko ary ny vozona homentsika
conducteur, quatre railaina hélicoptère. Une pierre deux coups, c'est-à-dire que les citoyens doivent faire face à une double campagne électorale. Une pour la présidentielle et une autre pour les législatives. En effet, pour la première fois, le second tour de l'élection présidentielle sera jumelé avec les élections législatives. À l'issue du second tour de l'élection, chaque candidat s'est déclaré vainqueur, tandis que le traitement des résultats vient à peine de commencer au niveau de la CENIT. Au niveau de ni fidèle na filopirine na fidèle na faro, au niveau de ni fidèle na rousseau. Le processus de compilation des résultats comprend plusieurs niveaux: transmission, centralisation et vérification avant la diffusion des résultats officiels provisoires. En effet, c'est un travail délicat qui détermine la fiabilité des résultats. Dia ni mamuaka izay fitafitiana vo tsy maika izay no tandrifina andraikitry ny seni. Vovoka moa ny vokatra vo tsy maika dia anisan'ny nampiseho. Hoe tsy ankato loatra izany vokatra vo tsy maika izany ny kandida Jean-Louis Robinson sy ireo mpanao anazy rehetra. Ny lasaka iray mitahiry a na tokony hitahiry a ny bulletin avy amin'ny irina iray zay nisy kisalasalana araka fangatahantsika no sokafandry zareo tamin'ny CES io kitapo io ary dia niara-niaiky izy rehetra
niara tula gaga talandona arkivi patena aya bulletin fopla daulo na kabanda fopla gembe abavu naye ni baterena safid naya artwangalarna safid naye ni lasi sfanisi ni alapato alapato sansisa ni teny anivon'ny fianakaviambe iraisam-pirenena nefa tsy de ataoko hoe tsy nanaraka loatra izay le hoe alapato izay. Les scrutins se sont tenus les 25 octobre et 20 décembre 2013. La mission salue le civisme des électeurs malgaches qui à deux reprises se sont rendus aux urnes dans le calme malgré quelques incidents isolés. Le comportement professionnel et la neutralité des forces de l'ordre ont également contribué au bon fonctionnement du processus. Le cadre juridique en vigueur régissant la tenue des élections est globalement satisfaisant et conforme aux normes permettant la tenue d'élections compétitives, libres et crédibles. Tsy mety satria zany tsy anakeo valina CES zany a raha tsy ohatra jerena daholo ny fepetra rehetra ny jerena ny vato ampitoviana ny bulletin zany tsotra kelika zany olona tsy ampyhevatra tapitrisa ve de tsy vita ny olona rehetra efa vonina daoolo ny fanampitanana amin'izany andeo jerena le zavatra tsy mety. Araka ny tazantsika nanomboana ny vaovao teo dia ery rajonarimampiana rakotoarimanana Martial izy no filohan'ny Repoblika ny Madagasikara vaovao filoham-pirenena voalohany ao anatin'ny Repoblika fahefatra izany araka ny vokatra navoaka ny fitsarana manokana misana ny fifidianana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo tetsy Ambohida tetsy amin'ny fohibe ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia lanim-bahoaka tamin'ny isanjato telo amby dimampolo faingo sivy amby efapolo ny filoham-pirenena Pirenena ery rajonarimampiana. Ambara fa voafidy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny kandida rajonarimampiana rakotoarimanana ery Martial. Maintes fois, j'ai dit aux journalistes que sortir de la crise, avoir des élus, parce qu'on peut bien dire haut et fort aujourd'hui qu'on est fier d'avoir vraiment un président élu démocratiquement à Madagascar, des députés élus démocratiquement à Madagascar. Zany anisan'ny voalohany ny rapazy ary hoe fivalanika exécutoire lany a ary hoe ny zava-dehibe ihany kosa de tamin'ny farany hoe fanekena ny valim-pifidianana zany hoe fahitako ny Robinson Jean-Louis kosa aloha tena ny tsinjo ny tombontsoam-pirenena tsy nanohy zany le fianakianana ny fisarehana ny olona hidina an-dalambe a marina fa tsy lavorary tanteraka ny resaka le fifidianana fa nataoko hoe nanindry fo izy a de fanetritena de nanaiky ny fandresena jonarimampiarona ery ary ataoko hoe zavatra ohatra amindreny zany tokony irosoantsika mian-dalana amin'ny resaka fifidianana eto anivo ny firenena hoe zay resy amin'ny fifidianana manaiky ny fandresena. Tokolasy tokovavy
amin'ny fomba feno fitiavana no hitondrako sy ny tsidihana ny isan-tokantrano sy arabako anao rehetra tsy ankanavaka amin'ity andro avanitsika. Mitsondrano sy ngarosoanao aleo alasana sarotra ary tsy mora izany andidy mavesatra miandry anao izany. Miandrandra fandrosoana ny malagasy, mendrika ho avy mamirapiratra ny malagasy ary miloko fa tsy andiso fanantenana ho anireo rehetra nametraka fitokisana taminao. Je crois vraiment à l'avenir de Madagascar. Mais d'ici un an, c'est normal. On est en phase de terminer la transition. Et pour terminer une transition, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais on croit à la sagesse et à la bonne volonté de tous ces élus aujourd'hui. Mampianina raha koa tao manana hery martial mova eto anatrehan'Andriamanitra andrenanary sy ny firenena ary ny vahoaka ny aniny ianao fa natanteraka atsakany sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mafilohan'ny firenena malagasy ianao. Tolatrehan'Andriamanitra andrenanary sy ny firenena ary ny vahoaka meninao fa natanteraka atsakany sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mafilohan'ny firenena malagasy aho. Manomboka ny masoandro anio ary mandra-pahatonga ny efa dimy taona dia ho filohan'ny repoblikan'i Madagasikara ianao araka ny lalam-panorenana. De pauvreté, moi je prends ça comme des vraiment la mesure du défi que j'aurai à relever, c'est de lutter contre la pauvreté. Et pour ce faire, j'ai annoncé quand même des lignes de stratégie très claires, en mettant en place un développement durable, inclusif, en restaurant l'autorité de l'État, lutter contre l'insécurité, mettre en place une justice impartiale, lutter contre la corruption, etc. Donc mon objectif, c'est de pouvoir réduire vraiment de manière substantielle ce niveau de pauvreté et mettre en place, si vous voulez, des actions au niveau social, au niveau économique. Mais je disais tout à l'heure, le plus important, c'est d'asseoir d'abord un socle au niveau politique, au niveau de l'autorité de l'État, au niveau de la bonne gouvernance, parce qu'il faut ça pour aller de l'avant.